Bonjour à tous, ici Sylvester Dez, bienvenue à vous dans ce tout nouveau numéro de Zoom Impact, votre programme où nous célébrons et vous faisons découvrir les créateurs, personnalités et marques afro et afro-descendants qui ayant accompli des actes assez remarquables dans l'industrie de la mode. Sans plus tarder, nous passons à notre première rubrique, le sujet du jour. Notre sujet du jour est consacré au créateur nigérian Adebayo Okelawal. Créateur de la marque Orange Culture, Adebayo Okelawal dessine depuis l'âge de 10 ans. Il a lancé Orange Culture en 2011, après avoir travaillé avec plusieurs designers nigérians pour concrétiser sa vision unique de la mode. Depuis le lancement de la marque et ses débuts officiels sur les podiums de la Fashion Week Design Week de Lagos en 2011, il a travaillé dur pour essayer de présenter Orange Culture au monde. La marque est plus qu'une ligne de vêtements, insiste Adebayo. C'est un mouvement qui couvre des silhouettes universelles avec une touche africaine, à une classe d'hommes créatifs, se traduisant par un mélange suivant de tissus imprimés d'inspiration nigériane, de couleurs et de vêtements urbains contemporains. Cela ne veut pas dire pour autant qu'Orange Culture oublie les femmes qui ont repris la marque, donnant une touche androgyne aux créations d'Adebayo. Les vêtements répondent à presque tous ceux qui souhaitent raconter une histoire avec la façon dont ils se présentent. Toutes les pièces sont fabriquées à Lagos à partir de tissus d'origine éthique provenant de fabricants de tissus nigérians locaux. Et a réalisé un travail éditorial pour des magazines comme Vogue Italia, Natal, WoW dont je parlais tantôt et bien d'autres. Okelawal a été notamment mis en évidence pour sa partie co-animatrice sur Shed Corner comme étant l'un des personnages les plus hilarants de l'émission suspensionnée d'Accelerate TV. Il enseigne également et a organisé un cours d'acquisition de compétences dont je parlais tantôt aussi pour les créateurs de mode en herbe soutenus par Fitz Roulette. Adebayo Okelawal est également très concerné par les jeunes puisqu'il a lancé un projet de RSE intitulé Painting Your Dreams où il inspire les jeunes à travers l'art à croire en eux-mêmes. Orange Culture a été l'une des premières marques nigérianes à entamer une collaboration au sein de l'industrie et à inspirer de nombreuses personnes à suivre. Le label a collaboré avec de nombreuses marques telles que Huawei, Denis ou ZDB, Rocus London, Maxi Vive. Le partenariat le plus notable d'Adebayo Okelawal s'est produit avec l'artiste nigérian mondialement reconnu, la star de l'Afrobeat, Davido, où il a conçu une collection en édition limitée vendue exclusivement dans le grand magasin Selfridges. Orange Culture a créé un nouveau créneau pour la mode masculine au Nigeria et a indéniablement ouvert des portes à des marques de mode masculine courageuses et plus créatives. La marque a acquis une reconnaissance internationale et a figuré dans des publications prestigieuses telles que Vogue, l'édition États-Unis, Royaume-Uni et Italie, les magazines WWD, Business of Fashion, Fucking Young, L'Uomo Vogue, Huffington Post, New York Times, CNN, BET, MTV, Vanity, Salon, Magazine Elle, Marie Claire, L'Officiel, Style.com, etc. Orange Culture est un participant régulier du Lagos Fashion and Design Week. En 2017, elle a défilé pour la première fois à la Fashion Week de Londres sous le label Fashion Scoot et a ensuite lancé l'une des plus grandes collaborations connues de l'industrie de la mode nigériane et à être la première marque nigériane à stocker chez Selfridges. La marque est actuellement stockée à Lagos, Paris, Londres, New York, Hollywood et Kenya et a l'intention de stocker dans de nombreux autres magasins. Lexique Mode, votre rubrique pour tout savoir sur le vocabulaire employé dans la sphère de la mode. Notre thème du jour est l'empiècement. Qu'est-ce que c'est? L'empiècement est une pièce appliquée sur une autre pour mettre en valeur une partie du vêtement. Nous avons pour exemple l'encolure ou encore les manches.
Pépite Web, notre pépite aujourd'hui est le rappeur français d'origine congolaise, Youssoupha, qui pose en full Givenchy d'après les commentaires sur son post Instagram. Ceci est une collaboration avec la maison de couture Givenchy. C'est la fin de cet épisode de Zoom Impact. Merci à vous de l'avoir suivi. Toujours un réel plaisir de vous présenter ce programme. Bien sûr, retrouvez tous nos contenus et bien sûr ceux de Zoom Impact sur la chaîne YouTube.